Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Archangélion, présentation de Dark Deity, si du moins le jeu le veut. Un jeu donc créé par Sword and Axe LLC et distribué par Freedom Game. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Il est sorti le 15 juin, excusez-moi, 2021. Donc voilà, 15 juin 2021. On va commencer une partie. Donc au niveau des options, là on est en anglais, on va passer en français. Ok, on reste dans cette config là. Ouais, on reste dans cette config là. Nouvelle partie, on va aller. Alors ici c'est simple, normal et difficile. On va aller en normal. La légende raconte que durant l'âge de l'ascension, les dieux cohabitaient avec les mortels. Qu'un grand empire s'étendait sur toute la surface du monde connu, à grand renfort de conquête et de supériorité technologique. Et que les habitants de Terrazel vivaient... Waouh, rares sont les vestiges... Alors attendez... Voilà. Rares sont les vestiges de ce temps effacé par le mortel cataclysme connu sous le nom de calamité. Des milliers d'années plus tard, les seuls vestiges de cette époque révolue sont les anciens temples des dieux et artefacts divins qu'ils recèlent. Nous sommes en l'an 1105 du calendrier impérial. Le royaume de Delia se situe au cœur d'Etlan. Une nation qui a longtemps tiré sa prospérité du commerce et de son agriculture fertile. Malgré le règne de paix pendant plus de 25 ans, le roi de Delia porte maintenant son épée vers un ennemi de sa propre création. Le roi Varric Valdistar a été couronné il y a maintenant 10 ans, le jour de l'assassinat de son père, Fazil, par des assaillants inconnus. À ce jour, Varric croit dur comme fer que les assassins ont été envoyés par la famille royale d'Aramor. Mais à ce jour encore, rien ne le prouve. C'est lors d'un litige frontalier mineur qui aurait pu être résolu sans conflit que Varric décida de tirer vengeance. Après avoir envoyé ses forces d'élèze sous couverture d'incendier la cité aramorienne du moins d'Alaris, Varric et sa soif de vengeance plongèrent son royaume dans une guerre pour laquelle il ne pouvait pas être plus mal préparé. Manquant de troupes, Varric dut prendre de dures décisions et tourne maintenant son regard vers Brookstead et son académie militaire, la plus prestigieuse de Delia. Chaque année, ses diplômés viennent gonfler les rangs des forces d'Eliaise. Une tradition, un pacte millénaire. Le jeune roi pense que la solution à la maigreur de ses troupes est ailleurs et a désormais l'intention de recruter non seulement les diplômés de l'académie, mais aussi tous les élèves en formation. Dans la calme Brookstead, les élèves travaillent dur et aspirent à se démarquer de leurs camarades. Les épreuves de l'académie sont l'opportunité de progresser vers le rang ou l'inverse. Pour beaucoup, elles sont le jour le plus important de l'année. Bien que le passage des épreuves soit angoissant, nombreux sont ceux qui affirmaient qu'une vie à s'entraîner dans un but aussi clair et d'une simplicité bienvenue, même appréciable. Mais entre simplicité et chaos, il ne se tient qu'un lendemain. Un voyage en perspective, chapitre 1. Ouais, j'ai eu des problèmes avec le jeu. Tu crois que Galan nous a préparé quoi pour épreuve cette année? Quoi que ce soit,
on peut être sûr qu'elles vont nous donner du fil à Ouais, retordre. Tu crois qu'il fera ça juste pour nous punir d'avoir choisi Elden? J'ai tes deux bouts à l'aube à me faire rabâcher encore. Mon fils ne devrait pas mettre une mission en péril pour des raisons sentimentales. Enfin, on ne pouvait pas vraiment choisir Maren sans Elden. C'était notre marché. Je pense qu'il a juste du mal à accepter l'idée que la prunelle de ses yeux pourrait échouer. La prunelle de ses yeux se tient juste devant moi. Ah, de toute façon, j'ai réussi, j'ai raison. En plus, Elden a du talent. Même si Père refuse de le voir. Pourquoi toi, t'essaies pas de le convaincre, notre maître d'épée, qu'un garçon de 14 ans qui n'arrive pas à soulever un bâton d'entraînement peut battre un élève expérimenté de 18 ans? Ce n'est pas pour rien qu'il n'enseigne pas la conjuration. Ton père ne fait absolument pas confiance au mage. En parlant de confiance, il faudrait que je te parle d'un truc que j'ai entendu l'autre jour, alors que mon père discutait avec un type. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Alors, les garçons, vous êtes prêts pour le bonjour? Je suis sûr qu'on va réussir. On s'est vraiment entraîné dur. Bien sûr qu'on va réussir, mais moi, je veux battre le record de Shattering. Oh, du calme, petit gars. Mais je fais partie de la meilleure équipe première année. Je pense que ce qu'Alden essaie de dire, c'est qu'il apprécie vraiment beaucoup de faire partie de l'équipe. Bon, maintenant, il va falloir que tu canalises cette appréciation, Alden. Il y a beaucoup en jeu pour ta sœur. Ouais, si on gagne, je n'aurai pas à m'inquiéter quand Maren partira pour l'armée, car je saurai qu'elle est bien prête. Voilà comment plomber l'ambiance. En tout cas, tu promets que tu vas te reconcentrer et tout donner aujourd'hui, hein? C'est juste. J'aurais. Bon, allez-y. On ne va quand même pas manquer les épreuves à papoter ici. Si mon père ne me tue pas, j'espère qu'être coincé dans une équipe avec Alden non plus. Vous connaissez les règles? Toutes les stratégies non létales pour vaincre vos adversaires sont autorisées. Battez le chef de ce régiment pour réussir les épreuves. Vous le reconnaîtrez facilement. Nous nous sommes bien préparés. Alan Garrick, restez en It'll arrière. be all right. Si l'un d'entre vous se fait toucher, je suis prêt Not à soigner. fair. Bon, on y va ou quoi? Je suppose qu'on va lancer l'épreuve. Encore plein de sincérité aujourd'hui, je vois, père. Ah, enfin. Ça bug pas. Alors, comment on fait? Épée longue. 28. Bon, si j'ai bien Together. compris, c'est lui qui va. Alors elle peut faire quoi? Voilà.
Je peux pas attaquer? C'est quoi ce travail? Pourquoi je peux pas attaquer? Let's do it. Alors, was that really necessary? Ça c'est fait, d'accord, donc ils sont pas en sucre. Oh la vache! Thought you'd never ask. D'accord, là je peux soigner. Stay with me. That's what I'll say. Ok. Ok. Thank you.
Thought you'd never ask. How can I help? Okay. Let's do it. Ouais, on a un sacré avantage quand même. Together. What was I thinking? Dextérité. Ok. Alors déjà. We've got you. Thought you'd never ask. Wow. Proudly meeting expectations. Ok. Ensuite. Déjà. Are you sure? Vas-y, je me suis trompé. Are you sure? Lead the way. Stay with me. I'll take point. Let's do it. Thought you'd never ask. Ouf, il fait mal lui. Stay with me. My hard work is paying off. Ah, il va bientôt tomber. Are you sure? Be careful, I won't lose you. I've got a lot to learn. C'est plaisant. Quand ça fonctionne, c'est plaisant. Thank you.
I'll take point. This should be fun. How can I help? Stay with me! I'll take point. This should be fun. I will not yield! Ok, donc... T'en fais une main. Ok. Lead the way. This should be fun. Together. This should be fun. C'est bon. On l'a eu. Ça fait penser au premier Final Fantasy. My sword grows lighter with every swing. C'est un tactical. United, we are unstoppable. Ok. Dark Deity, ok, pas mal, petit frère. Toi et tes camarades, vous vous êtes bien battus. Content de l'entendre. Parvache, vous avez tous grandi. Vous m'avez donné du fil à retordre. Du fil à retordre, en effet. Surpris, père. Félicitations, mon fils.
Vous devriez tous être très fiers de ce que vous avez accompli aujourd'hui, surtout toi, Marie. Merci, Maître Galen. Et maintenant que vous avez eu vos frissons, je pense qu'une explication est de rigueur. Bien sûr, je vous la dois bien, mes amis, si vous voulez bien nous excuser. Tu ne m'en voudras pas, mais j'imagine qu'il ne s'agit pas d'une simple visite de courtoisie. Malheureusement pas. Tu n'as jamais été du genre à céder à la nostalgie toujours vers l'avant et le futur. Comment se passe l'effort de guerre? Pour le moment, nos perspectives ne sont pas réjouissantes. C'est d'ailleurs ce qui m'amène ici. Je vois tu es venu évaluer nos nouveaux diplômés. Pas tout à fait, à vrai dire, le roi voudrait recruter toute l'académie. C'est tout naturel, il n'y a pas de meilleure école pour approvisionner vos rangs, même si j'espère que la guerre sera finie bien avant que nos plus jeunes élèves n'aient leur diplôme. En effet, il veut les recruter immédiatement, tous sans exception. Vraiment? Je n'aurais jamais pensé qu'il oserait. Dites-moi, commandant, quels sont les plans du roi pour nos jeunes initiés? Peut-être qu'en s'y mettant à quatre, il pourrait charger une catapulte. J'aimerais pouvoir le dire. Toujours un homme de devoir, le roi est insensé de rompre le pacte. Son père n'aurait jamais fait ça. Fazil était un homme bon. Avec tout le respect que je vous dois, quel meilleur moyen de venger son père que de rejoindre les rangs de ceux qui apportent la justice à Aramor. Surveille tes paroles, commandant, et ne parle pas de guerre avec tant d'empressement. Si le roi le veut, il aura ses soldats. J'espère seulement que toi, mieux que quiconque, peux comprendre la gravité de cette décision. Je ne la comprends que trop bien, soyez-en sûr. Chapitre 2. Défense désespérée. Cette promotion est l'une des meilleures à qui j'ai eu le plaisir d'enseigner au cours de mes 10 dernières années de temps du directeur. Vous avez fait preuve de détermination et de dévouement, autant de qualités qui permettent à Boxer de perdurer. J'ai toute confiance que les classes que vous suivront feront de même. Listen up. Je dois malheureusement conclure cette cérémonie de remise des diplômes par une mauvaise nouvelle. Nous avons reçu des ordres, le roi Varric lui-même. Tous les élèves de l'académie sont enrôlés d'office dans l'armée d'Aliez à compter de maintenant. Je comprends que pour la plupart d'entre vous, votre formation a semblé durer une vie. J'ai été à votre place autrefois. Je sais que vous devez ressentir. À la fin de cette cérémonie, vous serez tous diplômés de l'Académie Brookstead. En dehors de ces murs, vous aurez le devoir de représenter nos valeurs et codes d'honneur. La vie nous prend beaucoup, mais Brookstead est toujours là. Vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres, et je ne saurais trop vous encourager d'en profiter. Vous avez 3 heures pour vous préparer, faites savoir à Terazel que rien ne peut entacher l'héritage de notre ville. Pas tout à fait le retour à la maison que tu imaginais, je suppose. Comment le roi a-t-il pu faire ça? Facilement, semble-t-il. Il ne se soucie pas des conventions, quelles que soient leurs origines ou leur importance. Il ne reculera devant rien pour venger son père. Ah, mais où sont donc mes manières? Je vous présente Lincoln et Bianca, qui dirigent cette opération de conscription
et sont aussi de très bons amis. Ravi de vous rencontrer. Sterling nous a beaucoup parlé de vous tous. Je croyais que tu occupais plus haut garde militaire de Adelia. Pourquoi ne diriges-tu pas cette opération? Je dois retourner à Sojourne. Si je suis venu, c'est parce que si le roi avait envoyé quelqu'un d'autre, Galen l'aurait peut-être décapité. Alors tu n'es pas venu pour nous voir? Non. C'est génial de vous voir, mais je ne peux pas me permettre un tel luxe en temps de guerre. Tu repars alors? J'en ai bien peur. Je te verrai quand tu reverras Sojourne. Je trouverai bien une excuse pour prendre quelques heures de congé. Malgré ces mauvaises nouvelles, je suis content que tu sois là. Je ne peux pas dire à quel point cette visite comptait pour moi. Je dois vraiment y aller. Mais vous pouvez faire confiance à Bianca et Lincoln. Oh, et Irvin, pense à aller voir maman avant de partir. Yes. J'y vais, à bientôt Sojourne. Irvin, je suis content que tu sois rentré. Comment s'est déroulée l'épreuve? On s'en est plutôt bien sorti. Au fait, Sterling était là. Ah oui. Et il était trop occupé pour passer dire bonjour à sa mère. Il n'est vraiment pas resté longtemps et il n'a pas de très bonnes nouvelles. Oui, je sais. Varric a recruté toute l'académie. Comment? Le sais-tu? Les nouvelles circulent vite dans un endroit comme celui-ci. Le crieur public l'a annoncé pendant que j'étais au marché. Ah, alors je suppose que tu sais que je dois partir. Oh, Irvin, j'ai déjà donné un de mes fils à la guerre de Varric. N'est-ce pas... Est-ce que ce n'est pas assez? On savait que ce jour allait venir quand je suis rentré à l'académie. Bien sûr, mais pas aussitôt. Enfin, je suppose qu'il n'y aura pas de bon moment. En tout cas, tu dois me promettre de bien prendre soin de toi et de tes amis sur la route. Tout ira bien, maman. Et vu tous les efforts que le roi met dans la guerre, elle sera très vite finie. Je serai bientôt de retour à Broxil. La guerre est rarement si simple que ça, mais j'espère que tu as raison. Tu vas terriblement nous manquer, tu sais. Ouais, je sais. Toi aussi, tu vas me manquer. Bon. Je vais aller chercher mes affaires. D'accord, je vais te préparer quelques provisions. Je les laisserai sur la table de la cuisine. N'oublie pas tes chaussures de sport. Le jour suivant, les épreuves de Broxted sera pour beaucoup marquée par la célébration, mais aussi par la séparation. Les étudiants de l'académie s'attendant à pouvoir être diplômés à temps doivent maintenant dire au revoir à leur famille. Sterling retourne à Sojourne, laissant le groupe entre les mains de Lincoln et Bianca. Le groupe se rend à Aquanimit, une ville fluviale au sud-est. Lincoln espère y trouver une dernière recrue nécessaire. Ok. Mon brave, ton service auprès de la couronne fera honneur à sa famille. Maintenant, il semble que nous ayons encore beaucoup de dames courageuses supplémentaires. Venez, braves gens, qui répondra à l'appel du roi? J'ai quatre bouches à nourrir. Aaron n'est pas assez vieux pour s'occuper de la ferme. Je sens que c'est les deux derniers là sur la droite qui vont. Ma jambe n'est plus ce qu'elle était. Même si je deviens. Devais-je porter volontaire, Ellie? Je parie que j'aurai fière allure avec un gros marteau.
évidemment. Et celui-là du tout, hein, avec la lance. Je réfléchis bien à ce que tu vas faire. Sia, tu as une belle vie ici. Le service volontaire apporte plus d'honneur que la conscription forcée. Je prie pour qu'on n'en arrive pas à cet extrême. Je ne connais pas grand-chose à l'honneur, mais je sens comme une odeur d'aventure. Inscrivez-moi, capitaine. Soupir. Et moi aussi, alors. La fortune est avec nous aujourd'hui. Je vous félicite tous deux pour votre courage. Juste une chose, je dois passer à la taverne pour faire savoir à ma patronne que je vais prendre de longues vacances et que je ne voudrais pas qu'elle découvre qu'elle perd sa serveuse préférée au dernier moment. Right away. Très bien, Erwin. Toi et tes amis, accompagnez nos nouvelles recrues à la taverne. Bianca et moi devons terminer quelque chose ici. Récupérez autant de provisions que vous pourrez. Nous avons un long chemin devant nous. Très bien. Ok, ok. Ça fait beaucoup de blabla quand même. Je dois juste prendre mes affaires à l'étage. Je serai de retour avant de que vous n'ayez le temps de dire. Mais où est-elle allée, recrue? D'accord. Et toi, tu préfères voyager léger? Posséder trop d'affaires, c'est un risque plus qu'autre chose. Au fait, je m'appelle Elias. Vous avez eu beaucoup de courage, tous les deux, pour vous inscrire comme ça. Du courage, oui. Ou plutôt une grosse dose d'inconscience, un manque de réflexion et un certain attrait pour l'aventure de la part de mon ami. Quant à moi, je ne la laisserai jamais faire ce genre de choses toute seule. No kidding. Pour être honnête, Elias, j'ai l'impression que quiconque aurait du mal à essayer de l'arrêter. Si seulement ça pouvait ne pas être vrai. C'est la serveuse la plus têtue du monde. Ouais, je crois que j'en ai eu un aperçu. Des bandits sont entrés dans la ville. Ils se dirigent vers l'auberge. Par la bise noire, on vient à peine de quitter nos maisons. Et on se retrouve déjà au milieu des embrouilles. Mais où est la nouvelle recrue? J'ai dit que je serais prêt. Bon, préparez-vous. On dirait qu'on va devoir se battre plus tôt que prévu. Il va falloir tenir jusqu'à l'arrivée d'Olinka et Bianca. Ok. Ok. Donc ça, c'est les bandits. D'accord, c'est les bandits. Alors, un, on va envoyer le tank. Together. Alors. Level up. My sword grows lighter with every swing. Cool. Ensuite. Donc on peut attaquer que devant. Ok, ça fait un de moins. D'accord, là ça bouge.
Be careful. I won't lose you. Bon. Ils vont réussir à me le tuer. Ah, ils ont réussi. Ils m'en ont éliminé un. Zut. I guess. Together. This should be fun. Réussir à me la tuer aussi. Faut pas qu'il me la touche, elle. Alors, 1. Faut que je fixe. Your end approaches. This should be fun. Thought you'd never ask. How can I help? How can I help? How can I help? Thank you.
proudly meeting cool. expectations. Ils sont en train de me les éliminer les uns après les autres par contre. Ah ouais, ça rigole pas en fait. Lead the way. My hard work is paying off. I'm on it. Alors... You're just another cur! Ça fait un cavalier de moins. We've got you. Such is your fate. Elle est solide, elle. Elle se débrouille bien quand même. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux. Là. Ok, allez, on est parti. Together. Didn't give him much of a chance, huh? Encore un de moins. It's good voilà, vache.
Il monte à une vitesse, lui. Lead the way. On va se mettre au loin. Elle, faut que je la protège à tout prix. C'était sûr qu'il allait essayer. Ah, le tank, il tank bien. L'archer, il se débrouille de plus en plus aussi. Ok, allez, c'est parti. Donc là... Lui, il peut aller là. Il peut attaquer, lui. Voilà. De ce fait... Voilà. Elle allait protéger. Lui, il gagne. All trails lead home. Ok. Thought you'd never ask. This should be fun. This should be fun. Zut, me suis loupé. Stay with me. Oh punaise, intouchable le truc. Ah ouais, ils vont tous s'acharner dessus. Bah, tant mieux, hein. De toute façon, il prend rien. Wouah! 6 attaques, il n'y en a pas une seule qui attaque et qui a touché là. What would you do without me? Ok. Là, près de la taverne. Je suis content de vous voir tous en un seul morceau. Comment avez-vous vous en êtes sorti? Magnifiquement bien. Tu seras peut-être surprise d'apprendre que ce n'est pas la première fois que je sors d'une taverne pour me retrouver au milieu d'une bagarre. Si peu. C'est plus chaud que ce que à quoi je m'attendais. C'est normal, la meilleure des académies ou la pire des bagarres d'ivrogne ne peut pas être vraiment préparée à quelqu'un au péril de la bataille. En tout cas... J'ai été content d'avoir nos nouvelles recrues avec nous. Ils se sont tous les deux bien défendus. Tu rigoles, il y en a une qui est partie au tapis. Vu l'état carbonisé des bandits, je suppose que l'un d'entre eux est un adepte ou bien un mage incroyablement doué. Ah, vous voudriez bien me renvoyer à Noyer pour une purification, hein. Not even. Ah, ce sera la fin pour nous deux, j'en ai peur. On dirait bien qu'on est dans le même bateau. Je suppose que je devrais pas vraiment être surpris de trouver un autre adepte dans une armée. C'est bien là que nos talents inspirent le moins de superstition, il me semble. Au moins, tant qu'on se tient sous bonne manière. Mais qui était ce type? Faisait-il partie des Aramoriens que nous sommes censés combattre? Croyez-moi. Ça n'aurait pas été si facile, ni si rapide, si nous avions affronté force d'armes. C'était probablement juste des bandits. Oh,
On a eu des problèmes avec des bandits ces derniers mois, mais depuis une semaine environ, tout est calmé. Tout est calme. Peut-être qu'il préparait un plus gros coup, comme celui-là. Ces bandits dont tu parles, tu saurais où se trouve leur base ? Pas exactement, mais je sais qu'ils tentaient souvent des embuscades à ceux qui passaient au carrefour nord-est. J'ai eu à soigner quelques voyageurs qui saignaient comme des cochons d'été. Cette expression n'existe pas, tiens. C'est juste une journée de voyage au nord d'ici, non ? À peu près. Mais vous n'avez pas l'air de vous déplacer très vite. Alors, vous ne m'en voudrez pas si je me trompe d'une heure. Fingal, le soleil est déjà bas dans le ciel. Et Varric n'est pas du genre à apprécier le moindre retard. Nous venons de recruter les meilleurs combattants de la ville. Je n'ai pas l'intention de les laisser à la merci d'une poignée de brigands. Et les autres recrues ? Je vais les envoyer en avant. S'ils arrivent à temps à ce jour, Varric pourrait se montrer plus compréhensif. Allons-y, il vaut mieux attendre le camp avant qu'il n'y ait vent de ce qui s'est passé ici. Je peux vous dire quelque chose, les habitants de la ville seront ravis d'être débarrassés de ces voyous. Chapitre 3, activer le piège. Inga et Banka ont trouvé suffisamment de recrues à Aquanit. Erwin et ses amis sont envoyés escorter l'une des nouvelles recrues de Sia pour aller faire ses bagages. Alors qu'ils attendaient à dans l'auberge, des bandits lancèrent un violent assaut sur la ville. Les quatre compagnons de Brockstead et leurs nouveaux amis Si et Elias parviennent à repousser les bandits loin de l'auberge. Ouais, bah ça on l'a vu quoi. Ils ont maintenant l'intention de suivre une piste qu'ils ont laissée pour leur tendre une embuscade. Ce groupe n'a causé que des problèmes à Aquanit depuis des mois. Et selon Eagle, il ne fait aucun doute qu'il faut agir. Il devrait raccourcir hein, les dialogues là, parce qu'on l'avait vécu, donc on l'a vécu l'attaque de l'auberge, c'est pas la peine de nous le rappeler. Nous devrons camper ici pour la nuit. Il vaut mieux éviter de tendre une embuscade en sortant directement. No kidding. Entièrement d'accord, surtout que je dois nettoyer mes armes. Toujours impatient de t'acquitter de ta tâche, hein, Irvine. Moi, j'ai hâte de me détendre un peu. Avant qu'on soit à nouveau confronté à un péril mortel. J'aurai le temps de me reposer aussi. Ça ne me va pas me prendre longtemps de m'occuper de mes armes. Irvine, je serai là si tu as besoin d'aide. Garrick, ne venez pas m'ennuyer avec vos questions inutiles dans ma tente. Inutiles ? Ce n'est pas parce que vous n'en voyez pas l'utilité qu'elles n'en ont pas. En tant que commandant, c'est moi qui décide de ça. Je n'ai pas la patience pour ces balivernes ce soir. Bon, d'accord. Je vais plutôt aller embêter Siri et Elias. Excellente idée. Unité. Ouais, c'est quoi ça ? C'est quoi ? D'accord, on peut les passer en revue. Trident, javelot. Volgue, lance. Marteau, fléau. Masse d'armes, d'accord. Épée longue, ok. D'accord. Inventaire. Steak.
amélioration. Marraine, est-ce qu'on peut upgrade quelque chose ? Ah non, ça c'est Garank. Garrick. Et Marlène. Marteau, fléau. Balance. Pour l'instant, je sais pas trop. Comment tu sais sur qui tu es là ? D'accord. Ok, il y a un halo. Il y a un halo, d'accord. Power. Dégâts. Ok. Ok, on aura deux gros bœufs. Échoppe. Orange sanguine. Tubercule. Ça sert à quoi? Restore 10 PV. Restore 20 PV. Restore 30 PV. 40. 50. D'accord, ça fait que de la restauration. 2 PV. Non, c'est pas ça que je veux. Hormis des soins, je vois qu'il y a d'autres trucs. Comment tu vas là-dessus? Non. Synergie. D'accord, les synergies peuvent se faire. C'est vraiment étrange, Irvine. Chaque fois que je repense à nos derniers jours à Brooklyn, j'ai l'impression que ce n'est qu'un rêve. Je suis un peu étonné de t'entendre dire ça. De nous quatre, tu étais la seule qui s'attendait à recevoir ce message. Oui, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'avais jamais vu Maître Galan aussi distrait d'habitude. Il est si serein, comme s'il devait toujours le contrôler. La situation, la nature de la guerre, elle vole le contrôle. Plus puissant, Galan. Ok. Je crois qu'il réapprend cette leçon par lui-même cette fois. Peut-être bien. Au moins, je n'ai pas entendu de plus que Garrick et toi.
me rattrapiez. Et je sais que tu as hâte de t'en aller d'ici depuis le jour où tu t'es inscrit. On dirait bien que ton vœu est exaucé. Ouais, je suis impatient de monter enfin sur scène et d'avoir un véritable impact. Jusqu'à maintenant, j'ai passé toute ma vie dans les gradins. On appelle ça l'enfance, Erin. Eh bien, j'imagine que certaines personnes sont nées pour remplir une fonction précise. Je suis contente d'avoir la chance de poursuivre ma vocation. It'll be all right. Je sais que tu rendras l'académie fière, et ta famille aussi. Mais si je dois admettre que ton frère a déjà placé la barre très haut. Raison de plus pour toujours garder les yeux rivés sur le chemin que je veux suivre. L'ambition est importante, n'oublie pas, mais ça ne fait pas de mal de jeter un œil à tes environs de temps en temps. Tant que ça ne me ralentit pas, je pense que ça te fera du bien de ralentir un peu. D'après mes critères, je ne vais pas encore assez vite. You really think so? Ah, très bien. Peut-être qu'un jour, tu comprendras ce que je veux dire. Quand j'aurai ton âge, peut-être. Donc, genre dans un an. Tu pourrais être surpris avec des tas de choses peuvent se produire en un an. Ok. Tu as un noble choix. C'est drôle que tu dises ça, je n'ai l'impression d'avoir un choix du tout. Le discours de Lincoln était vraiment aussi convaincant? Non, je ne lui ai dit que ce que je... Mais peut-être, si on dirait, je ne pouvais pas laisser la fameuse empathie en caprice. Je comprends, mais bon, ton histoire est différente, j'imagine. Yes. Ouais, j'avais toujours rêvé de servir la couronne comme mon frère. Bon. Je vois, ça fait longtemps que tu fais ça. Not quite. Ouais, ça va être chiant s'il y a que des. Don't worry. Ça fait beaucoup de dialogue quand même, hein. Ah, et ça travaille les affinités en fait. Tu vois, Garrick, je t'avais dit qu'on réussirait nos épreuves. Bon, désolé, hein, je vais passer vite fait parce que là, franchement, ça commence à me gaver. Hein. Mais en fait, je suis obligé de le faire, c'est pour les affinités en fait entre les personnages. Hardly. Don't worry. Faites un arrêt sur image hein, si vous voulez. It's not that. Are you sure? No kidding. Hmm. Il en a après Sterling lui. Hein. Not quite. Huh? Sterling. Yep. Ok. Donc là, on a travaillé lui, ses affinités. Punaise, va falloir faire ça avec tout le monde. Pas cassé hein, pour les voix. Sure thing. Ok. Ensuite, Yael. Bummer. This is fun.
Oh, come on. Elle a pas fait long feu, elle. Alors, ça c'est fait. Ensuite. Come on. Really? C'est pas très passionnant quand même. Trop de blabla. It'll be all right. Hardly. Pour rien en plus, hein. Parce que c'est qu'une question d'affinité. Well. Eh ben on est loin de Baldur's Gate 3, je vous le dis. Ensuite. Alden? Nope. Ils auraient dû trouver un autre système, hein, trop de blabla. Ok, bon, c'est fait. Les synergies, on l'a fait, sauvegarder. Alors, ce que je comprends pas, moi... Pourquoi on peut pas aller à aspect éternel et booster statistique? Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est pas la peine. Ce qu'on va faire, peut-être... Allez, on avance. C'est juste là, juste devant, voilà. Tout le monde, à vos postes. Débarrassons-nous vite de ces minables. Minute papillon. Et je reprends mon souffle. Peut-être. Et si tu m'avais écouté, au lieu de te baffrer de biscuits au palais. Ce ne sont pas des biscuits, bon chou. Je t'assure. C'est tout cet or. Les banquiers n'auraient-ils pas pu nous prêter un âne ou deux? On peut être quelques gardes du corps pour nous protéger. Ils sont bien trop radins pour ça. Et puis le roi maintient ses routes en bon état pour les voyageurs comme nous. Si les voyageurs comme vous ont l'intention de repartir en un seul morceau, vous feriez mieux de remettre vos objets de valeur sans faire d'histoire. J'aimerais jeter un coup d'œil à cette heure. Jeter un coup d'œil à ça, espèce de minable. Si vous me cherchez la bagarre, vous l'aurez juste. Les autres prisonniers auraient bien besoin d'un peu de compagnie. Bon, on est parti. Mon point faible, c'est... Elle est où, l'automarteau? C'est elle? Ouais, c'est Sia. Ok, donc là, j'ai... Irvine. Tu viens là. Tu mets un dégât. Ensuite, deuxième qui tient la route. Un moins.
Bon, ça commence bien. Oh bah, carrément. Tranquille. Easy peasy. De se lever. D'accord, il met 20, l'autre il met 9. Ok, bah c'est bien. Ouh, ça va. C'est pas bon ça. Bon alors déjà, déjà. Ah punaise, mais elle tient rien, elle. Lead the way. Nice to see you on your feet. I'll take point. This should be fun. This should be fun. Ok, ça on est bon. Ah ouais, ils vont tous s'acharner dessus. Alors déjà, elle, il faut qu'elle s'endurcisse. Elle gagne des points. C'est bon, elle level up. On est ok. Ensuite.
Y'a rien là-haut. Si, y en a trois là-haut. Y en a trois en bas. Ah ouais, y en a beaucoup. Attendre. Oh, ça devient un tueur, lui. Proudly meeting expectations. Tout se fait. Elle. Elle peut level up. Elle. Lead the way. Elle. Elle peut level up, lui. Nice to see you on your feet. Can do. Lui. Peut descendre. Lui. Il va descendre aussi. D'accord. Bon, il va monter, ça ira mieux. Hop. Ouais, il fait mal. Lui aussi il fait mal. Mal jugé. Il va mourir. My sword grows lighter with every swing. Ok, donc là. I'm on it. This should be fun. On fait un de moins. I won't let you fall. Hein? T'es sérieux? Not bad.
Zut, à chaque fois. Mais 4. Allez, tranquille. Such is your fate. At your disposal. Aïe. So this is my fate. Together. Thought you'd never ask. Lead the way. My hard work is paying off. In position. Elle fait mal, elle. 4. Enfin, lui, plutôt, parce que c'est pas elle, c'est lui. Loupé. Loupé. Ok, loupé encore. Allez, tranquille, les mecs. Meeting expectations.
Ok, en haut j'ai plus rien, lui. Together. Not one step closer. Ok, ça c'est fait. Tranquille. Mais en fait, c'est un char, elle. Même lui, il est pas. Wow. Ah. Elle a pris quand même, là. Alors, ce qu'on va faire, on va sacrifier un peu elle. On va soigner lui. Voilà. De ce fait, elle va soigner lui. Stay with me. Together. Lui, il va venir là. Mais il est chiant. Ok. My sword grows lighter with every swing. Ensuite, lui. Non. Je vais le mettre ici. Ce sera le prochain à se faire soigner. In position. Alors. Ah non, c'est Bianca, c'est bien elle. D'accord, donc c'est lui le tank. Donc Bianca essaye d'éliminer lui. Voilà, bah c'est fait. Push the advantage. Bianca elle est tranquille quoi. Ouais, Lincoln il craint rien lui, c'est un char. C'est même étonnant qu'il soit à la défense. Ok, bon, alors elle soigne lui. Lui. Il achève lui. Même pas. Bon, alors, si c'est ça, on va pas chercher à comprendre. Can do. Lui, il va venir là. Voilà. Lui. Voilà. Un de moins. Right away. Opportunité de faire monter. Ok. Donc eux, ils sont prêts. This should be fun. Il va les rejoindre. Coupé. Ah, il a de l'espoir lui contre Bianca. 24 dans sa vue. Elle l'a carrément shooté.
Ok. What do you know? I gave it to them straight. Ouais, c'est Bianca qui a fait un carnage. Par contre, j'en ai toujours deux au tapis, hein. C'est chiant. C'est qui est parti au tapis, au fait? Élimination. Eh, regardez, on dirait que celui-là avait une espèce de carte. Quelques sites d'embuscade y sont marqués, ainsi que plusieurs chemins. L'endroit du manoir de Drake. Quel genre de seigneur des crimes amateurs laisse ses sbires se balader avec des cartes révélant sa cachette à graine? C'est assez grossièrement fait. On dirait que ce type l'a dessiné lui-même. Alors espérons qu'il était meilleur cartographe que bandit. Dis-moi, Elias, as-tu entendu parler de cet endroit? Pas spécifiquement, la famille Drakenhall était autrefois très influente à Quanit. Et en partie responsable de sa fondation en tant que ville minière. C'est juste de l'autre côté de la colline. Que leur est-il arrivé? Rien d'extraordinaire, un héritier problématique et beaucoup de coffres vides. Si c'est vraiment un manoir de famille noble, il doit y être fortifié. Je suggère de passer l'après-midi à nous préparer. En y allant de nuit, nous serons plus discrets et nous pourrions avoir l'avantage de la surprise. Bonne idée. C'est réconfortant d'être parmi des professionnels. On voit que vous avez été bien formés. Finalement, toutes les séances de lavage de vitres commencent à avoir un sens. Parle pour toi. Un trésor inconnu. Après avoir entendu une embuscade bandit, le groupe découvre l'emplacement de la forteresse et préparant leur assaut pendant la nuit. Le manoir de Dragonval, factueuse propriétaire forestière, sert de repère à une horde de brigands. Après avoir eu vent des prisonniers à l'intérieur, le groupe décide de faire de leur sécurité leur priorité. Ok. Unité, inventaire, ah, on peut pas le donner comme ça. Il y a deux améliorations possibles. Donc, de ce fait, c'est quoi les plus faibles? C'est ces deux-là les plus faibles. C'est vraiment des boulets. Alors, les chopes. On peut les vendre, ces trucs-là? Ah, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et est-ce que je peux vendre? On peut vendre.
Bon, ok. Ensuite, ici. Donc ça, c'est des boosters. Aspect. Non mais... Aspect éternel. Et ça recommence. Désolé, hein, mais moi je passe. Hein. Il y a trop de blabla. Bummer. Right. Can you not? Are you really? C'est là sont les dialogues. Enfin, les dialogues, les sons. Ok, bon bah c'est bon. On a fait ce qu'il fallait, sauvegarder. C'est pas mal du tout ici. Avec une ou deux améliorations et un peu de décoration intérieure, cet endroit pourrait être pourrait avoir du charme. Bon, on va dire que c'est pas la peine de frapper. On devrait faire attention. Le premier bandit a mentionné des prisonniers. Il ne faudrait pas que ça se transforme en jeu de poulet avec des otages non plus. Parle pour toi. Moi, j'aime bien le poulet. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on manque un peu d'otages pour ça. Plus tôt nous assurerons leur sécurité, mieux ce sera. Si on a de la chance, ils nous aideront peut-être à arriver jusqu'à leur chef. Mais bien sûr, les prisonniers traumatisés vont avoir la force et l'envie de se battre. C'est tout à fait probable. Eh, ça arrive souvent dans les bouquins que je lis. Ça pourrait arriver ici aussi. Together. Eh bien, espérons que notre histoire est similaire. Allons. Ok, c'est parti. D'accord. Alors, ils sont où les prisonniers? D'accord, il y a des angles morts. Alors déjà...
On va fixer celui-là. Donc. One step at a time. Ok. De ce fait. Elle peut venir ici. Soignez-lui. Stay with me. My hard work is paying off. Alors, ici. I'll take point. Peut venir la bloquer. Ah, ça morfle pas. Hein. Alors, après. Ouah, tu fais mal. Ensuite. Are you sure? Didn't give him much of a chance, huh? C'est bon. I won't let you fall. What will it be? Ok, c'est pas grave, lui il encaisse. Ah ouais, non, ils vont tous s'acharner dessus en fait. Oh non. Bon. Alors. Comment je peux faire? Lui, je l'ai bloqué. In position. Yield now or die. Un de moins. Awaiting orders. Let's do it. Trois de moins. Ah non, même pas. Oh non. Non, mais t'es sérieux? At your disposal. Thank you.
careful. I won't lose you. So this is my fate. Là, on s'est fait, mais éclaté. Donc déjà. Ça en fait un de moins. This should be fun. Ça en fait deux de moins. Was that really necessary? My sword grows lighter with every swing. Ah, il est en hauteur, d'accord. Two steps forward, one step back. Ok, donc elle, enfin lui, soigné. In position. Elle va fixer ici. Ok. Elle ici pour l'instant, on s'en fout, on va aller là. Elle va revenir en arrière. Elle va soigner lui. Stay with me. This should be fun. Lui, il va venir là et il va attaquer. Sorry in advance. Ah, tranquille. Tranquille.
tu sais pas à qui tu t'attaques. Elle va le défoncer, Bianca. Tranquille. Bianca, c'est un char. Not bad, not bad. À mon avis, on va les perdre, ces joueurs-là. De ce fait... Attends, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... venir ici. This should be fun. Voilà, ça c'est fait. On est ok. Ensuite. On va venir là. On soigne. I'll take point. Ok. You're really gonna try me? Ah, ça commence. Bien. Et hop, encore un mort. Ah, ça c'est pas bon par contre. Pas bon du tout. Ok, donc là c'est un peu naze ce qu'on va faire. C'est cool. T'es calmé là. Would hate to be you right now. Probably meeting expectations. Alors ici on est bon. Lui, il va taper dedans.
besoin. Deuxième attaque, allez. C'est bon. Ça passe. T'as de l'espoir, toi. Alors, on est reparti. Donc, ici. This should be fun. I'll take point. Ouais, c'est lui qu'on va monter. Hop. Right away. Lui, il va aller voir. Right away. It's about time. Bah tiens, d'un coup, c'est en anglais. Ah, c'est encore un magot. I'll take point. Lead the way. Ok, on a des nouveaux attaquants. Enfin, on a les attaquants qui reviennent... qui reviennent au niveau, en fait. Oh, all right. Thank you.
Ah ouais, elle est niveau S, elle. Comment ça se fait qu'elle est niveau S? All yours. Alors, ce qu'on va faire... Can do. Bon, c'est bon, c'est mort. You're making me look bad. Y'a rien par ici. Les chars ensemble. Ensuite. Hard work is paying off. In position. Je vais le mettre en renfort. Ah zut. Oh zut. Il est mort. Ouais ouais. He's gone. J'avais pas vu que c'était... How can I help? All yours. This should be fun. Would hate to be you right now. Bon, ça en fait un de moins. Ça en fait deux de moins. Ouah, c'est quoi ça? Sérieux? Détail Y. Détermine les dégâts qu'une unité peut encaisser avant d'être vaincue. Ah non, mais ça c'est... D'accord. Des lanciers qui tirent leur puissance de la magie du vent pour frapper rapidement. Discipline flamme qui ont le feu dans le sang.
des puissants mages qui utilisent les éclairs et le vent pour venir à bout de leur ennemi. On va rester avec la lance, hein. In position. Ok, ça c'est fait. Ensuite, il reste elle. Qu'on va mettre là. Punaise, j'en ai paumé un et en plus c'était le meilleur. Enfin, c'était l'un des meilleurs des nouveaux que j'avais. D'accord. Elle a l'air pas mal aussi, hein. How can I help? Bon, en avançant. Ok, ça, c'est pas mal comme tactique. J'aime bien. Poupée. Ah ouais, on voit le changement en plus. Depuis quand s'il y a en S? Je reviens pas qu'elle soit en S, elle. In position. Voilà. Comme ça, ça lui bouche, il peut pas venir attaquer. Elle, on va la ramener. How can I help? Ah, quand même. 12. Elle level up. Ok. Alors, on est parti. Donc, elle. Non, ça c'est celui. Lui. Enfin, elle. On peut l'amener là. Taper lui. Punaise, elle prend pas mal. Elle va foncer là. Foncer là-bas. Lui, il va s'occuper de lui. You're making me look bad. Garrick, il est en A quand même. Probably meeting expectations. Comment ça, stage clear? What do you know? I gave it to them straight. Comment ça, stage clear? Des prisonniers, ça va. Je viens de passer 2 semaines emprisonné dans une cage répugnante.
Vous pensez que ça va? Moi, je me sens mieux maintenant que nous avons sauvé. 2 semaines. Oui, 2 semaines. J'aurais bien fait quand même. Bon, ok. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. On va revenir au menu principal. Non. Ok, bon, c'était ma présentation de Dark Deity, un jeu qui est sorti le 15 juillet 2022, si je ne me dis pas de bêtises. Un jeu Sworn Axis LLC. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Au moins, ça vous permet de voir un nouveau petit jeu bien tranquille. C'est pas mal. Tactical RPG, j'aime bien. Mais bon, trop de dialogue quand même. Ils auraient pu faire plus simple et aller un peu plus au vif dans les dialogues, parce que là, on voit qu'ils traînent en longueur, quoi. Donc, ouais. Non, mais c'est pas mal. J'ai bien aimé.